Coucou. Psst, c'est moi, Simon. Simon le savon. Un savon qui parle. Étonnant, n'est-ce pas? Mais écoutez plutôt ça. Mon job? Eh bien, savon dans un hôtel plutôt sympa. Chouette ce job. Ah, tiens, lui, c'est Christian, un client. Comme la plupart des clients, Christian va m'utiliser qu'une seule fois avant qu'on me jette à la poubelle. Pas cool pour moi et pas cool pour la planète. Heureusement, il y a Ambre, la femme de chambre. Ambre est géniale. Elle me collecte comme tous les autres savons usagés pour nous offrir une deuxième vie. Salut les copains, ça bulle? Tiens, ça bouge. Mais où va-t-on? Arrivé. Et maintenant? Aïe! Ça chatouille, ça gratouille, et en plus, il nous transforme en flocons. Ouh, ça serre! Ah, franchement, on n'est pas superbe maintenant. Avant que je n'oublie, je dois vous présenter nos charmants bienfaiteurs. Angelo, Mirko, Remo, Christian, qui vivent avec un handicap. Et Pia qui les aide à nous transformer en quelque chose de vraiment spécial. Merci pour cette mise en beauté. Attention, fermeture, ça repart. On est où maintenant? Mais oui, une association caritative, j'adore. Et voilà Béné, une bénévole au grand cœur, toujours prête à aider les autres. C'est elle qui va me trouver une nouvelle mission. Super! On m'a confié à Camille. Elle et sa famille avaient drôlement besoin de moi. Oui, enfin un nouveau job. Entre nous, je ne me suis encore jamais senti aussi utile. Sapocycle collecte et recycle les savons d'hôtel. C'est écologique, ça crée des emplois pour les personnes en situation de handicap. Et c'est précieux pour les personnes dans le besoin. Pour que ce cycle vertueux continue, Sapocycle a besoin de votre soutien. Vous aussi prenez les choses en main. Faites un don. D'ailleurs, Sapocycle prend désormais soin de mes collègues liquides. Gel douche, shampoing, après-shampoing, plus une seule goutte ne se perd. Et en plus, ça permet de recycler les emballages. Merci beaucoup, Suzanne, Patrick, Yannick et Cédric.